tu as dormi? Non. Bienvenue à Berlin. Pouvez-vous me dire de quoi vous vous rappelez? J'étais dans un taxi. J'ai eu un accident. Vous êtes resté dans le coma pendant 4 jours. Comment vous appelez-vous? Je suis le professeur Martin Harris. J'ai été absent 4 jours. Ma femme est quelque part dans cette ville qu'elle ne connaît pas. Pardon, monsieur. Avez-vous une invitation? C'est ma femme qui est là-bas. Liz. Nous nous connaissons? Qu'est-ce que tu as? C'est moi. Je suis ton mari. Martin! Vous êtes le professeur Martin Harris? J'ai l'impression. Tu connais? Non. S'il te plaît, faites-le sortir. Liz! Pour ce type de traumatisme sévère, il n'y a pas de règle. Les souvenirs sont perdus ou morcelés. Je ne suis pas fou. Il doit y avoir des preuves que je suis bien moi. J'étais dans votre taxi. On a eu un accident. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous êtes surveillé. Ils avaient réussi à me convaincre que j'étais fou. Mais quand ils sont venus me chercher, j'ai compris. C'est un code très simple. C'est l'écriture de ma femme. Ils ont des passeports, des cartes de crédit, des photos de famille. Lâchez-moi! Qui sont ces gens? Ils peuvent devenir qui ils veulent. La question est, pourquoi est-ce qu'ils voudraient prendre votre place? Je ne sais pas qui est cet homme. Mais vous devez l'arrêter, sinon beaucoup de gens vont mourir. Il n'y a pas de Martin Harris. Il n'existe pas. Je suis Martin Harris. Je n'ai pas tout oublié.